En route, Delphine Sineur. Et c'est le chronomètre le plus rapide. Donc, alors pour l'instant, on est aussi en tête, hein, Alexis Gauthier du challenge CWD. Il est en tête du challenge CWD, c'est-à-dire qu'avec ses 72,973, il devient le plus rapide de l'épreuve. Allez, Delphine Sineur, premier phalanx. Donc 4 points.